est située en Provence. Cette commune compte 3840 habitants, les Coudoussins et les Coudoussaines. Sur la place de l'église, le pigeonnier Pellicot s'intègre parfaitement. Ce bâtiment a été acheté et restauré par la commune grâce à un généreux donateur, Pierre Paredes. Situé au cœur de Coudoux, le château Saint-Hilaire est un domaine viticole médaillé pour son grand vin, dont la richesse est fondée sur l'originalité d'un terroir. L'or vert de Coudoux est une huile d'olive connue et reconnue. Elle est fabriquée dans l'un des derniers moulins traditionnels de France pour le plaisir de ravir votre palais. Boutiques et commerces, restaurants traditionnels ou rapides, bienvenue dans une commune haute en couleurs. Le château de Garidel est un bâtiment du XVIIIe siècle dont on peut apercevoir la tour, de ses environs et aussi de la colline. Chaque année s'y déroulent les estivales de Coudoux. Le gymnase Patrice Santaro est un gymnase intercommunal destiné aux associations sportives de la commune de Coudoux, de Velot et la Fare-les-Oliviers. Le sport à Coudoux est très présent, les adhérents sont de tout âge. La salle Jean Ventre et Jean Mermoz sont mises à disposition pour les clubs de danse et d'autres sports en salle. Le jardin d'enfants joliment aménagé est un lieu très apprécié des enfants et parents. Le bâtiment aux normes d'accessibilité a été construit récemment sur le boulodrome. Le centre de secours, Basse Vallée de l'Arc, assure les secours sur la commune de Coudoux, de Velot, Ventabrin et la Fare-les-Oliviers.
sur la colline, le cabanon Farki et ses 10 hectares de forêt attenante ont été achetés récemment et sont désormais dans le domaine communal. Un peu plus loin, le cabanon Cadet, bien connu des associations, pour son côté champêtre. La vigie est le point de surveillance en période à risque d'incendie de forêt. C'est un magnifique panorama de la Seine-Victoire jusqu'à Fos-sur-Mer.